En avril 2013, Retro & Magic avait consacré un épisode à la série Lords of the Realm, développée par Impressions Games et éditée par Sierra. Dans cette série, le joueur devenait un seigneur féodal dans l'Angleterre du Moyen-Âge, alternant gestion au tour par tour de ses provinces et batailles en temps réel. En 1997, l'équipe d'Impressions décline ce concept à un univers médiéval fantastique. Ce sera Lords of Magic. It is said that history becomes legend as its events recede into the mists of time. L'univers de Lords of Magic fleure bon la fantaisie des années 70, lourdement inspiré des écrits de J.R.R. Tolkien et influencé par Donjons et Dragons. Urak, c'est le nom de ce monde alternatif, est contrôlé par sept peuples affiliés aux éléments que sont l'air, l'eau, la terre, le feu, mais aussi l'ordre, le chaos et la vie. Un huitième peuple, le peuple de la mort, était quant à lui dévoué au dieu obscur Golgoth, qui cherche la destruction du monde. Mais Golgoth a été vaincu il y a 1000 ans, et son peuple, les Elfes Noirs, fut banni dans les recoins les plus reculés d'Urak. Mais après un millénaire de paix, le culte de la mort est de retour sur les terres d'Urak. Balkos, le seigneur de la mort, a été envoyé par Golgoth pour conquérir les sept éléments et asseoir la domination de son maître. Le joueur peut choisir de jouer n'importe lequel des sept peuples, chacun possédant évidemment ses propres créatures et champions. Au début de la partie, le premier objectif du joueur sera de reconquérir son temple, occupé par les forces de Balkos. Une fois le temple sécurisé, il devra faire en sorte de lever une armée assez puissante pour vaincre le seigneur de la mort. La manière dont le joueur accomplit cet objectif est laissée à sa discrétion. Il pourra choisir de s'allier avec les autres peuples ou au contraire les conquérir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Une fois Balkos éliminé, la partie est gagnée. Après avoir terminé l'aventure au moins une fois, la campagne de la mort est débloquée. La carte du monde d'Urak reste la même, mais le joueur doit cette fois-ci vaincre ou soumettre les sept peuples ligués contre lui. Le joueur est représenté sur la carte par un seigneur, une sorte de héros plus puissant que la moyenne. Si le seigneur meurt, c'est le game over. Outre le seigneur, le joueur pourra recruter des héros secondaires appelés champions. Seigneur et champion peuvent appartenir à l'un des trois archétypes, guerrier, mage ou voleur. Le guerrier est spécialiste du combat rapproché, le mage est fragile mais peut lancer des sorts dévastateurs ou invoquer des créatures légendaires, tandis que le voleur peut se rendre invisible pour espionner l'ennemi, dérober ses ressources ou même prendre en otage ses champions. Comme dans Lords of the Realm, Lords of Magic se déroule au tour par tour sur la carte du monde, chaque tour correspondant à une journée, mais passe en temps réel lors des batailles. De nombreux bâtiments parsèment la contrée, le plus souvent défendus par des monstres ou des brigands. Nettoyer ces donjons, qui s'étendent parfois sur plusieurs niveaux, permet de gagner de précieux points d'expérience, mais aussi de récupérer des objets magiques, ainsi que des ressources nécessaires pour recruter des troupes. Ces ressources sont au nombre de 4, l'or, les cristaux, la bière et la renommée. Cette dernière ressource est un peu particulière, puisqu'elle ne peut être gagnée qu'en accomplissant des exploits héroïques. Plus la renommée du joueur est élevée, plus il attirera de citoyens dans son royaume à la fin de chaque semaine. Ces citoyens peuvent ensuite être transformés en unités de combat ou assignés à la récolte des autres ressources. En laissant un champion de type mage à la bibliothèque, le joueur pourra par ailleurs rechercher de nouveaux sorts. Le jeu comporte 160 sorts différents, soit 20 par faction, et plus de 90 artefacts. Si on retrouve clairement dans Lords of Magic l'ADN de Lords of the Realm, il semble évident que les développeurs d'Impressions se sont également inspirés de deux autres jeux, Master of Magic d'une part, et Heroes of Might and Magic d'autre part. Certaines des idées de Lords of Magic semblent avoir à leur tour inspiré Heroes of Might and Magic 4, bouclant la boucle. Après tout, comme on peut l'entendre dans le menu du jeu, le cercle de la vie n'a ni début ni fin. La réalisation de Lords of Magic était ambitieuse pour l'époque, avec notamment une carte du monde en 3D possédant relief et dénivelé, qui affectait le pathfinding et la vitesse de déplacement des troupes. La carte n'était malheureusement pas toujours très lisible en raison de la faible qualité des textures. Quant à la direction artistique, elle semblait déjà un peu kitsch à l'époque. Enfin, les animations lors des scènes de bataille étaient très limitées, rendant le tout un peu mou. Mais on se laissait néanmoins transporter par l'ambiance et la très belle bande-son, et le gameplay, s'il n'était pas aussi finement ciselé que celui de Lords of the Realm 2, restait très addictif. À sa sortie en novembre 1997, Lords of Magic souffrait de nombreux bugs. Un an plus tard, Sierra proposera un patch passant le jeu en version 2.0, corrigeant les plus gros problèmes. Souhaitant profiter de cette version 2.0 pour donner un nouveau départ au jeu, Sierra ressortira Lords of Magic en octobre 1998 dans une édition spéciale. Il s'agit en réalité du jeu patché et d'un pack de missions supplémentaires, les Légendes d'Urak. 4 quêtes sont proposées, mettant en scène les factions Terre, Mort, Ordre et Feu. Certaines de ces missions sont inspirées de mythes et légendes du monde réel,
La quête de la Terre propose ainsi d'incarner Beowulf, tandis que celle de l'Ordre adapte librement l'épopée arthurienne. Une cinquième quête est cachée. Pour l'activer, le joueur doit cliquer au centre du menu de sélection de la mission. Il pourra ensuite y revivre le chant des Nibelungen dans la peau de Siegfried. And the golden treasure of the Nibelung dwarfs. Lords of Magic est sorti il y a 20 ans déjà. Impressions ne lui donnera jamais de suite, préférant recentrer ses efforts sur ses city builders historiques comme Khazar ou Pharaon. Mais tout comme on retrouve un écho de Lords of the Realm dans la série des Total War de Creative Assembly, Lords of Magic peut être vu comme un ancêtre de Total War Warhammer.